Les 24 troupes, on leur donnait des ordres de garnison. Garnison. On leur donne un ordre de garnison. Ici. Voilà, c'est suffisant. Troupes de Yougoslavie. Troupes de Yougoslavie, je vous dirais, ils ont rien à faire, quoi. La Grèce. Quelles sont les ressources de la Grèce? Ah, du chrome un peu, de la population. On va justifier. Conquérir. Épérus. Les 24 divisions. Hop. On met en pause. Déjà les 26. On les met en ligne frontalière avec la Grèce. On les met de là. Bon, on les met là. Les 24 divisions. On les met. Ligne frontalière. On les met là. Non. Non, non, non. On les met, disons. Ok, les 24 divisions. Ligne de front, là, là et là. Ligne offensive, là, là et là. Voilà. On a coulé du convoi, excellente nouvelle. Ah non, on se fait attaquer. Ici, on va leur demander un peu plus. Ici, on se fait attaquer. Ça va le faire un peu moyen, ça, les rosebif, si vous commencez à m'attaquer. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus ce que je voulais faire. Des usines civiles qui ont rien à foutre. Putain, ça, c'est beau. Trois usines militaires qui sont affectées. Là-bas, ça se place. En Inde, c'est quoi? C'est 8. Ah, c'est ceux qui sont en stand-by. Attends, les 8, ils sont arrivés avant les 10 qui font le débarquement, quoi. Putain, ça fait sérieux, ça. Pourquoi ils avancent aussi lentement? Genre les mecs ils vont pile arriver pour le débarquement, quoi. Ok, troupe d'occupation. La légion espagnole qui est en place. Là faut attendre qu'ils gagnent leur organisation. L'autre il m'envoie que dalle en renfort. L'Inde, pas de commandeur. Eux. Mes troupes de montagne, elles me disent quoi? Action. Oh là, les troupes de montagne, ils me cassent les couilles un petit peu là. Quand même, merde. C'est vraiment une armée française là. Là. Et ligne de front, là, là, là et là. On déclenche l'ordre. On halte tout ça. Comme ça, ils vont commencer à mettre des baffes direct. Ensuite, la Yougoslavie. Mes troupes sont en place. Les 24 sont prêts à agir. Ensuite, on a nos sous-marins. Non, nos sous-marins. Voilà, et l'autre flotte. Hop. On les met là. Et ensuite, on va s'occuper de bloquer la Grèce, quoi. Ensuite, si quand même, on va donner un ordre de mission
à mes 26 divisions là, ce sera de me prendre ça. Voilà, mais non, pas comme ça, Pécor. Mais par en bas. Le but, c'est de prendre le port ici, pour les empêcher d'obtenir des ravitaillements. Ensuite, mes chasseurs, ils sont... Mes bombardiers, plutôt. Tactical Bomber. Tac, tac, tac. J'en ai combien? Ça fait 271. On les rapatrie ici. Je peux pas y aller. Pourquoi ils veulent pas y aller? Voilà, ça c'est bon. Recherche, recherche, recherche. Est-ce qu'on a? On a tout cherché. 43, c'est quoi ça? On va chercher ça. Les trois. Où est-ce qu'on a là le... Ah. 8 juillet à 5h du matin. Allez. À 5h du matin. Et lui, il arrive quand? À 3h du matin. Le bombardier tactique, il va plus vite. Ça fait sérieux. Voilà. Ok, ils me font du closer support. Parfait. C'en est où de mon... Non, c'est pas ça que je voulais voir. Non, carte terrestre. La Grèce. J'aurais fini quand ma claim 9 juillet. Voilà. Déclare war. Voilà. Qu'est-ce qu'empêche d'attaquer? Ouais, l'autre il va attirer là-bas. La Russie, mes troupes de montagne, elles disent quoi? Elles disent on se débrouille. Mais 24. Ouais. En Inde, De Gaulle, il me dit quoi? Est-ce qu'on pourrait modifier ça? J'ai envie de mettre un logo de... C'est les troupes d'élite hein, qu'il a quand même, le père de Gaulle, la force. Même si c'est de, du je sais pas quoi, du portugais ou un truc comme ça. Ouais, on déclenche le plan. Ouais, il faut qu'en fait, on va. Le but c'est de couper les ports. Couper les. Qu'on chope les ports. Sous-marin.
Attends qu'ils arrivent. On va pas s'emmerder à les mettre à quai parce qu'en fait les sous-marins on va leur dire va te faire têter les yeux, tu ressors pas. On attend que le sous-marin arrive. Oh là là, je viens de voir que j'ai oublié d'arrêter l'épisode. Putain, ça me perdra d'être généreux comme ça. Bon, bah je vais faire une coupure d'épisode à l'arrache. Hein. On va attendre que ma flotte arrive. Enfin, on attend la fin de ce combat naval, là. On va aller aider et revenir. On a fini ça. Après, je vous dirai bien. Radar station. On va mettre une station radar en Normandie. En Macédoine. Et voilà. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu un sous-marin. Culé! Low manpower. Non, ça peut aller encore. Ah bah en fait je vais faire 3 épisodes d'un coup là, je vais faire avec un putain de coupage à l'arrache. Voilà, ok. Ici, on les met en upper priority low. On a perdu 4 sous-marins. Ici, eux, on va leur mettre comme mission raid des convois. Là. Uniquement. Military Factory. Donc ça, on va mettre ici. Et on va récupérer hop ça. Du pétrole. Voilà, on a pris le port là-bas. Nickel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite armée, entre guillemets, alias les verts, on annule l'ordre. Ligne de front. Là et là. Offensive line. Tout ça. Voilà, on attend qu'il soit en place. Il me dit que c'est tout. Bon, on attend quoi qu'il se replace. Ligne de front pour eux. Voilà. Voilà, on les place tous. Nos 24 divisions, on les place. On résiste tranquillement. Yougoslavie. Ouais, mais ça, on s'en fout. Voilà, on enlève le plan, ça fait moins tâche. C'est plus Yougoslavie, ça c'est Grèce. Et hop, on dégage en Inde. Mais le général, il est prêt à débarquer, enfin presque. On se comprend quoi? Les 24 divisions. Non mais sérieux là, putain! On arrête, on exécute l'ordre. Quand vous voulez, hein, les troupes de montagne là, vous attaquez, putain! C'est un peu le bordel quand même, hein, des fois, les ordres là, ou c'est peut-être l'approvisionnement, il commence un peu à être en manque d'approvisionnement, donc ça devient légèrement le Bronx. Les divisions sont en train de se préparer, ouais, manque de carburant, il manque un peu de plein de trucs. On va les laisser, on va attendre un petit peu. On sous-marin américain qui nous coulait ça. On s'en fout. C'est quoi cette division? Quelle armée c'est ça? 31. On a
Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ce bordel, j'en ai... Le mec, il y a des divisions, on sait pas ce qu'ils font là. Bon, bref. De Gaulle. De Gaulle, il est quand ton ordre d'attaque? Ah, merde! Mes sous-marins... Merde. La Navy. On va la rapatrier. Ctrl Shift. Non. Ctrl Right Click. On attend qu'ils aient à Sumatra. Putain. C'est quoi ça? Formation spread 0%. De quoi on a besoin? Fighter et Tactical Bomber. Est-ce qu'on a Infantry Equipment? On a du basique. Donc ma cavalerie. Du basique, ouais, c'est bon. Les tanks légers, ouais. L'infanterie équipement, ouah putain. Infanterie équipement, donc on va en mettre 5. De Gozard, je me rappelle plus ce que c'est. En fait, il dit, il produit plus assez, tu te fais niquer, bébé. On active le plan. Tac, tac, tac. La Grèce, ça dit quoi? Lui, il me dit, on peut y aller. Ben, on y go, alors. S'il me dit qu'on peut y aller, je le crois. Ok, eux ils vont prendre ça. Oh, toi t'es censé aller à Sumatra? Là-bas. Ensuite, les 8 divisions, on les envoie là-bas. On va retourner vite fait. Nos 24 divisions, là. Elles sont en train de mener leur plan d'attaque. Ok, sachant qu'on a pris le port. Eux, on attend qu'ils se replacent. Là, ils sont en déplacement. Après, le but, il faudrait qu'on arrive à couper ça d'Athènes. Donc ça, honnêtement, j'en ferais bien une petite ligne d'attaque. Comme ça. On attend qu'il se place. Là, il me dit comme d'abord, les divisions sont pas en position. Donc on attend qu'il se place, les pécores, et voilà. Bon, sur ce, on va arrêter l'épisode là, enfin les 3 épisodes là. Donc je sais que vous avez regardé ça, vous m'aurez maudit sur 2 épisodes avant, donc voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis ben, bye bye, à la prochaine, à plus, allez, ciao les gens.